Donc bonjour à tous les amis et bienvenue dans Servet de Blague, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, mais même si c'est le dernier jour de la semaine. Donc, on se retrouve pour le Scamot Fallé SE numéro 12, 13, pardon. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était encore le 12, alors qu'il est déjà passé. Bref, donc cette semaine je vais vous présenter une maison en grand format, puisque j'ai essayé de raccourcir au max la présentation, sauf qu'elle est tellement grande et il y a tellement de choses à voir comme d'habitude, que j'ai pas pu faire en dessous de 7 minutes. Voilà. Donc, si vous voulez skip la maison, c'est. Voilà, il y a 7 minutes. Dites-vous qu'il y a 7 minutes pour la maison. rien que pour elle. Bon. Si ça avait été une maison plus petite, la vidéo aurait été un peu plus courte. Mais c'est pour ça que du coup, ça redépasse de 20 minutes. Mais bon, on s'en fout. Donc, c'est parti. C'est une maison sur le thème elfique. C'est pour ça qu'il y a. C'est dans des bois. On va être dans une forêt. Donc le mode somme Milandriel, A Small Piece of Valenwood in Skyrim, créé par Armin ZX12. Donc en fait ça veut tout dire, c'est un petit endroit de Valenwood dans Skyrim. Voilà, pour ceux qui... Bah traduction en fait, voilà. Petite traduction. Moi ce que j'ai bien aimé c'est les décors autour, c'est vraiment magnifique. Je pense que... Le mode est sorti il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était début du mois d'octobre, début de ce mois-ci. Je pense qu'il va se retrouver dans les meilleurs mois, les meilleurs modes du mois d'octobre. Franchement, s'il n'est pas dedans, c'est que c'est vraiment, vraiment bizarre. Ça paraîtrait vraiment bizarre. Même s'il n'est pas dedans, pour moi, il est dans les meilleurs modes de maison de 2021, puisque, en tout cas sur la SE, moi, je suis pas sur la SE depuis le début de l'année. Je suis dessus que depuis juillet. Mais après avoir regardé tous les modes de maison, voilà, parce que j'ai un peu farfouillé hein, depuis que je suis sur la SE, voilà, j'ai eu le temps de tout fouiller. Et les nombreux modes de maison, j'ai rarement vu un truc comme ça. En plus avoir ajouté PNJ, voilà. Et dedans il y a Méricine. En gros elle a dit qu'elle déteste les dragons, voilà, et en plus elle a une voix custom, donc je sais pas si elle est rajoutée par le mode, mais je pense que oui, parce que sinon elle serait pas dans l'endroit. Bref, après vous avez une mage qui vend des sorts, je crois, qui est ici. Il y a un mec qui vend un peu de tout aussi, je crois qu'ils sont 4-5 dans le village, on va appeler ça un village. Il y a aussi un cerf blanc, voilà, qui se balade avec des lapins, voilà. Et il y a aussi, vous l'avez vu, un géant qui fait rappeler le Seigneur des Anneaux. Vous savez, les Ents dans le Seigneur des Anneaux, les arbres qui bougent là, qui courent partout et qui se battent. Et ben en fait, c'est un peu copié sur ça en fait. En fait, il surveille les alentours du village. Ça fait que si quelqu'un approche par le nord, parce que lui il surveille que le côté nord, je crois, il va se faire poutrer. Voilà. Sachant qu'il y a un camp de géants pas trop loin de la maison, heureusement qu'il est là. Voilà. Comme ça, ça ferait une petite baston entre géants. Et donc là, on est dans l'intérieur. On a fait tout le côté extérieur. Et là, en fait, on est dans l'intérieur de la maison. Qui est en deux parties, puisqu'en fait, c'est... Bah, la maison est sur des arbres. Du coup, en fait, c'est découpé en deux parties. Enfin, la maison est coupée en deux, on va dire. Donc là, on est sur le côté, on va dire, du salon. Voilà, pour se reposer, etc. avec le feu de cheminée. Et en fait, moi, au début, je me suis dit, ah, il n'y a pas de chambre, c'est bizarre. Mais en fait, c'est de l'autre côté. Et vous pouvez monter en... Il y a un espèce de truc qui va vous faire léviter, qui va vous faire monter pour accéder au balcon. Et sur le balcon, bah, vous pourrez profiter de la vue de Skyrim. Voilà, comme ici. Voilà, c'était pour vous montrer la vue. Et vous avez une statue qui était que j'ai trouvé hyper bien faite aussi. Et vous avez la forge aussi. La forge qui est juste à côté. Et il y a de l'autre côté, juste à droite derrière mon perso... ça sert à rien en fait, c'est juste un espèce de truc décoratif, voilà. Il a juste mis un espèce d'arbre au milieu. Donc je suis passé à la forge directement. Ce qui est bien, c'est que vous remarquerez que les espèces de la fonderie, voilà, il a mis un espèce de truc avec du feu à l'intérieur. Donc c'est pas une fonderie comme on en voit tout le temps. Il a fait vraiment avec les matériaux de on va dire écologie, voilà. Les matériaux écologiques, c'est-à-dire que du bois partout, puisque bah, le thème elfique, généralement, c'est du bois partout, vu que c'est une maison, c'est des maisons dans les arbres, etc. D'ailleurs, pour ceux qui sont, comme moi, amoureux du Seigneur des Anneaux, déjà que le géant est tiré de ça,
Bon, là, il y a un mannequin qui se couvre les parties. Faudrait peut-être lui dire que c'est un mannequin et qu'il n'y a pas besoin de se cacher. Mais bon, comme c'est un mode d'animation qui fait ça, voilà, ça le fait quelquefois sur les mannequins. Bref, c'était marrant. Donc je disais, pour ceux qui sont amoureux du Seigneur des Anneaux, vous allez kiffer cette baraque puisque ça m'a fait rappeler la Lothlorien. Voilà, pour les connaisseurs, la Lothlorien, c'est l'endroit où il y a la Dame Galadriel dans Seigneur des Anneaux, le premier. Voilà, le tout premier. Donc voilà, ça m'a fait rappeler ça. Puisque eux aussi, tout est dans les arbres. Donc là, c'est exactement pareil. Et là, on est sur la deuxième partie de la baraque, qui est la chambre, avec le fameux lit. On peut pas aller sur le lit, bon, à part pour dormir. Mais je veux dire, on peut pas vraiment y aller physiquement. Voilà. On peut pas mettre les persos dessus. Moi, j'ai essayé et j'ai pas pu, puisqu'en fait, on a les branches d'arbres qui cassent les burnes et qui vous empêchent d'y accéder. Mais vous pouvez quand même dormir dessus. La façon de parler, ça vous mettra juste le message, quoi. Donc si vous avez un mode d'animation pour dormir, bah, vous pouvez oublier, puisque votre perso pourra pas activer l'animation pour se coucher. Voilà. Et on passe à le dernier truc à voir de la maison, c'est une espèce de grotte que vous pouvez accéder en descendant, je crois. Voilà. Qui est toujours dans la deuxième partie de la maison, je tiens à préciser. Et il y a une espèce de bain, bien entendu. Donc voilà, c'est une maison vraiment complète. J'ai oublié de vous dire où est-ce qu'elle se trouve. L'endroit, c'est... vous devez aller à Condle. Cradle Crush Rock en anglais. Donc en fait c'est une grotte, la grotte de je sais plus quoi, bref. Et c'est juste à côté, apparemment. Vous tapez de toute façon sur Google Cradle Crush Rock, ça va vous mettre la carte et comme ça vous trouverez l'endroit. Et je crois que vous avez même pas besoin de faire ça puisqu'il y a un marqueur de map une fois que vous avez installé le mode. Voilà, vous aurez juste à ouvrir votre carte. Donc, on va pouvoir passer au mode suivant. Vous venez de voir que c'est un mode pour sauter, bien entendu. Donc ça va être un mode assez rapide à présenter, celui-là. Donc le mode somme Lips of Face, Misk Quest, créé par Jay Serpa. Jay Serpa qui est très fort pour faire des animations. Et là en fait c'est pas vraiment un mode d'animation, mais il a quand même fait... Enfin il a quand même... ça va quand même vous faire une animation quand vous allez sauter. Ça va pas vous l'activer à chaque fois. Il y a des fois où ça va foirer. Mais bon. Et ce mode est un peu inspiré de quelque chose que vous connaissez tous, mais on ne dira pas le nom. Pas parce que sinon après Ubisoft va nous demander des droits. Là je déconne. Là c'est pour ça qu'il y a des espèces d'aigles qui volent au-dessus du point. Voilà, du point de saut. Dans le fameux jeu dont je parle, ça s'appelle les points d'observation. Je pense que vous connaissez tous maintenant. Voilà. Bon je vais le dire, c'est Assassin's Creed. Voilà. Comme ça, pour ceux qui cherchent encore. Donc. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y en a 12 au total qui sont rajoutés dans le jeu et vous allez devoir les trouver vous-même. Il n'y a pas de marqueur de map, c'est vraiment vous qui devez les trouver. Par exemple, si vous voyez un espèce de trou qui dépasse des montagnes, bah, vous pouvez être sûr que c'est un point de saut, simplement. C'est comme ça que je les ai repérés, moi en tout cas. Je les ai repérés à l'œil et j'ai triché aussi, puisque le modeur a mis une espèce de carte pour les repérer où il a entouré les endroits des points de saut. Sur la description du mode. Donc moi j'ai regardé la map parce que j'allais pas perdre mon temps à aller chercher pendant 10 ans, il fallait absolument que je fasse vite. Mais vous ne regardez pas, ne vous spoilez pas, comme ça vous trouverez les points au fur et à mesure que vous jouez. Et puis de toute façon regardez la map si vous en avez marre et que vous en trouvez aucun, vous voulez vraiment sauter, bah voilà. Comme ça, en plus ça va vous activer une quête, à chaque fois que vous trouverez un point ça va vous activer une quête, ça va vous marquer genre en haut à gauche, je peux sauter ici. Et une fois que ce sera fait, ça va vous mettre nice jump, donc joli saut, et après ça va vous dire de trouver le reste des points de saut. Donc il y en a 12, une fois que vous avez fait les 12, et la quête est normalement terminée. Donc moi j'en ai fait que 2, donc il m'en restait 10 à trouver. Mais bon, en fait là je vous en ai montré 3, mais la quête ne m'a pas compté le deuxième. Ça fait que ça a compté comme si j'en avais fait que 2 alors que j'en ai fait 3. Bref, my bad, c'est pas grave. De toute façon, je ne vais pas pleurer puisque je vais désinstaller le mode. C'était juste histoire de vous le présenter. Donc, on va passer au mode de la followeuse. Donc cette semaine, c'est une elfe... on peut pas dire que c'est une elfe noire, on peut pas dire que c'est une elfe des bois non plus. Donc je sais pas trop sa race, enfin, je sais pas trop quoi dire. Une elfe, tout simplement. C'est une elfe, mais je ne sais pas une elfe quoi. Bref. C'est peut-être une haut elfe. Je sais pas. Parce qu'en fait, sa couleur de peau fait rappeler les elfes noirs, mais je sais pas si c'en est vraiment une, puisqu'elle est plus claire, sa peau, que les autres elfes noirs du jeu. Donc je sais pas trop, voilà.
On va laisser ce point d'interrogation. Donc elle s'appelle Tabia et je vais vous laisser écouter sa voix puisqu'elle a une voix custom. C'est pour ça que je l'ai choisie. I know. I really should take the hint. Where are you headed anyway? Well, why didn't you open with that? Can I latch on? I promise not to steal all your glory. Wonderful. Let's get going then. Voilà, sa voix était grave, grave bien faite. Voilà, c'était un plaisir à entendre. Et au niveau de son inventaire, elle a un masque noir qu'elle n'équipera pas dès le départ. Donc, si vous voulez qu'elle le mette, vous prenez un truc dans son inventaire, genre sa torche, et puis après elle va l'équiper. Voilà, tout simplement. Ou vous lui donnez quelque chose et elle va l'équiper tout de suite. Donc, le Matsum Tabia Fully Custom Voiced Follower Standalone, créé par Moose Police. Ouais, Moose Police. Donc elle se trouve dans un petit campement avec un Khajiit qui s'appelle... Merde, j'ai oublié son nom. Ah, j'aurais dû le noter parce qu'il est... Ah, Kabuzu, voilà, c'était ça. Le Khajiit qui fait la cuisine pour elle. Mais il va pas trop se plaindre du fait qu'elle se barre avec vous, apparemment. Il s'emballe un peu les couilles. Il s'emballe un peu les couilles, le mec. Il m'a même pas dit, ouais, pourquoi vous l'emmenez, etc. Non. Bon, je suis parti avec et on l'a laissé en plan. Voilà. Le pauvre Khajiit, il va rester tout seul. Après, on est tombé sur un Dédra, on l'a affronté à deux puisqu'elle a un peu galéré. Bon, faut dire que c'est un Dédra qui est rajouté par un autre mode, c'est pour ça qu'il est aussi fort. Et là, après, il y a des espèces de crabes qui nous ont cherché la merde, donc j'ai laissé Tabia s'occuper d'eux, puisque c'est son... Elle a l'air d'aimer ça, de se faire des crabes. Donc voilà, je l'ai laissé se faire la main dessus. Par contre, elle a un peu... Il y a un truc qu'il faut qu'elle améliore, c'est sa visée, hein, puisque avec son arbalète, elle a du mal à viser. Du coup, je lui ai montré comment on fait. Voilà. Petit cours de chasse. Voilà. Improvisé. Et voilà. Après, je pense qu'elle a compris la leçon. Au niveau de sa magie, elle peut... quand vous êtes trop loin d'elle, ce qui est bien, c'est qu'elle va se mettre à sprinter. En fait, elle a un espèce de cri qui la téléporte. Ça fait un espèce de truc noir. Et en fait, elle va se téléporter pour vous rattraper en 2 secondes. Voilà. Et là, je vous ai montré ce que ça donne, son visage avec le masque. Moi, je suis pas trop fan puisque le masque cache son beau visage. Mais on voit quand même ses beaux yeux, voilà. Ses beaux yeux violets qui apparemment ne lui servent pas à mieux viser, d'après ce qu'on a vu. Donc bref. Et elle se trouve donc, le petit campement se trouve juste à la sortie de la ville de Markarth. Donc il est facile à trouver. Vous sortez de la ville, vous allez en face, vous traversez le pont et vous allez tomber dessus. Donc, on va pouvoir passer au mode suivant. Il faut que je me grouille parce que c'est une présentation vite fait de ce mode-là aussi. Parce que c'est un mode qui va avoir ajouté des petites animations pour rendre le jeu plus immersif. Voilà, tout simplement. Il a été fait pour ça. Ça vous rajoute pas beaucoup d'éléments par contre, donc il faut. Ça s'apprécie, comme on dit. Donc j'ai commencé par les potions qui s'appellent Acid Rick machin truc. En fait, le perso va faire une animation comme quoi il s'étalait la potion sur la peau, sur sa main. Et en fait, la potion régénère votre santé, simplement. Et après, vous avez l'animation pour limer votre épée, comme là. Voilà. Donc, le Handsome Vitrium Spells and Tools Pack créé par Juaha. Je vais le dire comme ça parce qu'il y a plein de A. Donc, ça vous rajoute 2 sortes de magie en plus du reste. Donc, je vous ai montré ce qui sert à limer votre épée. Là, vous avez un marteau pour pouvoir réparer votre bouclier. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on doit réparer le bouclier alors que ça s'use pas? Peut-être que vous avez un mode qui fait ça, hein, donc je ne sais pas. En tout cas, ça rajoute de l'immersion, même si les boucliers ne s'abîment pas. C'est un peu pour copier les autres RPG qui le font. Voilà, parce qu'il ne le fait pas. Mais bon. En tout cas, avec ce mode, ça vous donnera l'illusion que le jeu prenne en compte ce truc-là. Après, les modes de magie, les 2 sorts, en fait, y en a un qui va vous mettre une espèce de ward devant vous, qui va disparaître au bout de 60 secondes. Et vous avez un autre pouvoir qui va durer 30 secondes. Et en fait, ça va être un pouvoir pour chasser. En fait, tous les êtres vivants autour de vous, ça va les faire clignoter en rose. Bon, par contre, ça se barre au bout de 30 secondes, comme j'ai dit. Et moi, mon animation préférée, ça a été celle pour limer l'épée. Voilà. Donc, je sais pas pour vous. C'est laquelle votre préférée. Moi, j'ai bien aimé aussi celle pour réparer les boucliers. Mais bon, de toute façon, elles sont toutes bien. Voilà, même celle de la potion.
Donc n'hésitez pas à prendre ce mod, sachant que il est encore en travail dessus, le modeur. Donc il va rajouter des nouvelles animations dans pas longtemps. Voilà, je sais pas combien de temps il faudra attendre. En tout cas, il est encore en train de bosser dessus. Donc ça valait le coup de le présenter. Voilà, je sais pas ce qu'il va devenir dans le futur. Il va être peut-être un peu mieux, un peu plus travaillé. Donc on passe au mode des armures. Donc l'armure pour les hommes, c'est la Regal Paladin Armor, créée par Shu Akeshi. C'est une armure donc de paladin qui fait chevalier du coup. Ça vous rajoute le casque, les gants, les bottes et l'armure. Pas de cap, voilà. Mais ça vous rajoute aussi une épée. Voilà. Il y a aussi un bouclier que je ne peux pas vous montrer puisque le perso, comme d'habitude, ne veut pas équiper. J'arrive à lui donner le bouclier, mais il ne veut pas l'équiper, donc il ne veut pas le montrer. Vous pouvez aussi équiper une deuxième épée, voilà, sur le côté droit. Par contre, celle du côté droit, c'est uniquement de la décoration. Vous ne pouvez pas vous en servir pour vous battre. Par contre, l'épée sur la gauche, c'est la vraie épée. Donc, vous pouvez taper avec. Par contre, ce qui est chiant, c'est que si vous avez des gros cheveux comme Gladiolus, en fait, ça va traverser le casque. Donc, faites très attention. Par contre, si vous n'avez pas de cheveux, si vous êtes chauve, si votre perso est chauve, tant mieux, hein, il n'y a rien qui dépassera. Mais vous pouvez voir que ses cheveux à lui, ils sont un peu sortis. Vous avez aussi le casque en deuxième sorte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir niquer la visière. Enfin, il va retirer la visière pour pouvoir montrer son visage. Et après, vous pouvez carrément retirer le casque si ça vous plaît pas. Et donc, le bouclier est juste ici. C'est un bouclier basique avec des bandes rouges sur les côtés. Et il y a des espèces de rayures sur le bouclier pour montrer qu'il a servi au combat. Et qu'il s'est pris plein de coups. Voilà. Gladiolus aussi d'ailleurs s'est pris un coup, vu qu'il a une putain de cicatrice sur l'œil. Voilà, comme le bouclier quoi. Donc voilà, c'est une armure complète de paladin, bouclier plus épée, qui sont fournis avec l'armure, donc on crache pas dessus, c'est OP à 100%, voilà, y a rien à dire. En plus j'ai kiffé l'espèce de fourrure sur les épaules, franchement j'ai kiffé cette armure, voilà. C'est le genre d'armure qui me donne envie de jouer des persos masculins, mais bon. Comme les persos féminins, j'aime bien les jouer parce que c'est plus technique au niveau du corps, etc. Moi, j'aime bien. Donc voilà, pour ça que je ne joue que ça. Donc on passe à l'armure pour les femmes. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a plusieurs couleurs différentes pour l'armure, mais que les bottes sont en un seul exemplaire. Il n'y a pas d'autres couleurs. Bref, c'est le seul élément qui est en une seule fois. Donc le Modsum H. Pilgrim's Garment, créé par Kadraeus. Ça vous rajoute aussi une espèce de capuche pour que votre perso soit encapuchonné, comme on dit, avec les différentes couleurs, toujours. Donc là, je vous ai montré la noire, là c'est la rouge. Vous pouvez choisir à chaque fois de mettre la capuche ou pas. Si vous voulez pas mettre la capuche, vous pouvez équiper la version écharpe. Donc pour que ça vous mette juste l'écharpe autour de votre cou, mais que ça n'aille pas sur votre crâne, tout simplement. Et les autres couleurs. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 autres. J'ai bien aimé aussi la petite gourde qui est rajoutée sur votre ceinture, sur le côté droit. Voilà. Et il y a une espèce de bracelet de bombec sur le devant de la ceinture. Donc la version originale, c'est la bleue. Donc c'est pour ça que les bottes sont bleu ciel. Donc moi, c'est ma couleur préférée, du coup le bleu, vous le savez. Donc forcément, j'aime bien cet ensemble. Ici, c'est la couleur dust, donc un peu sablé. Voilà, c'est du kaki, dégueulasse. Pour moi, le kaki, c'est dégueulasse. Donc ici, on a la couleur verte. C'est du vert bien vert. Là, on a la couleur orange. Voilà. Ça fait un peu penser à une couleur désertique. Voilà. Ici, on a la couleur violette. J'ai oublié de vous dire à chaque fois que ça rajoute aussi un collier. C'est pour ça que le collier, il ne bouge pas. Mais il est magnifique à regarder. Ici, c'est la couleur rouge. Bon, elle pète pas vraiment puisque là il commençait à faire nuit dans mon jeu. Ici c'est la couleur teal. Je sais pas si ça s'appelle teal en anglais, mais en fait c'est du cyan. On va dire ça comme ça. Donc même couleur que les bottes, donc ça match entre eux. C'est ça qui est bien. Ici c'est la couleur jaune. Voilà. Du jaune un peu sombre. En même temps c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Et ici c'est la dernière couleur qui est la version blanche. Voilà. Donc à chaque fois ce qui change c'est la couleur de la ceinture. La tunique au niveau de la ceinture et l'écharpe. Voilà. Sinon, les bottes resteront avec des bandes bleu ciel. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dommage que les bottes ne changent pas de couleur avec le reste. Donc, c'est ici que se termine le Scrum Fallait numéro SE numéro 13. N'hésitez pas à me chercher le petit hack ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Bah, je vous laisse avec des screenshots que j'ai voulu faire avec mon perso, et après je me suis dit bah je vais les mettre dans la vidéo parce que c'est marrant. Voilà, j'ai essayé de faire un. C'est le moment où elle allait dans les bains. Donc voilà, je me suis dit il faut en profiter. Donc chez les gens, je vous dis bon week-end et je vous laisse en musique avec une petite danse, comme d'habitude. Allez, ciao. Et j'oublie de vous dire que la semaine prochaine, ce sera l'épisode spécial Halloween sur la version SE. Le premier. Donc chez les gens, ciao.